Imaginons que tu recherches des items ou des crédits bon marché sur Rocket League. C'est très simple, il faut aller sur Awea.com qui est le sponsor de la chaîne et vous pouvez bénéficier de 6% de réduction sur vos achats avec le code RADA. Et bien sûr, tu seras livré en quelques minutes. Du coup les gars, c'est parti pour une toute nouvelle vidéo et c'est sur Rocket League Mobile et il y a la saison 2 qui est maintenant disponible. Alors je compte sur vous pour mettre les 200 likes, pour vous abonner et surtout pour mettre le code créateur RADA, d'accord, le code créateur qui met tout le monde d'accord. Dans la boutique Rocket League, et pensez à rejoindre le Discord, c'est là où je trade avec vous sur Rocket League, et il y a la boutique tous les jours aussi. Mais pensez surtout à vous abonner, je fais toutes les actualités sur Rocket League, bah si vous me connaissez pas. Je fais aussi beaucoup de vidéos trade, donc si ça vous intéresse tout ça, bah rejoignez la chaîne. Et là pour cette saison 2, on va essayer le mode volé, enfin on va tout essayer pour cette saison 2. Alors restez bien actifs sur la chaîne, ça se trouve quand vous voyez cette vidéo, bah les vidéos sont déjà sorties. Alors la saison 2 est sortie, bah là je sais pas si c'est encore disponible, il est 16h30, mais il y a des nouveautés, alors je vais vous les présenter. Donc c'est sorti le 2 février à 16h30. Pour l'instant il est 16h30, mais normalement ça sort à 17h. Alors en première nouveauté, on a tout simplement, quand on fait jouer, on a le truc occasionnel, duel occasionnel 1v1 et 2v2, mais on n'a pas le mode panier, ça c'est dommage. Ah oui, ça finit dans 26 minutes, ok. Donc on a déjà ça en nouveauté. Ensuite quand on regarde le Rocket Pass n'est pas encore disponible. Ensuite on a la boutique qui va changer. Bon, donc on se récupère dans 27 minutes environ. Aussi il y a eu une récompense, je vous mets l'image maintenant. Et du coup c'est un nouveau titre 20x2R. En vrai je sais pas du tout. Si quelqu'un peut m'aider, si quelqu'un peut me dire ce que c'est avec grand plaisir. Je sais pas si vous l'avez aussi reçu, dites-moi dans les commentaires. Donc est-ce que c'est une récompense de la saison 1 ou pas, je ne sais pas du tout. Vraiment j'attends, j'attends que vous me disiez. Et il y a aussi le nouveau logo de l'application pour cette saison 2. Voilà, il est actuellement 5h et je suis retourné au niveau 0. Hop, hop, j'ai encore mes rangs compétitifs. Ah oui, les rangs, ils sont pas... Ok, c'est juste les niveaux, je suis revenu au niveau 0. D'accord. Donc ensuite, on n'a plus le mode panier, on a le mode volleyball. On va le découvrir juste après. Ensuite, dans le garage, bah non, on n'a rien de nouveau. Il n'y a pas de... C'est pas un nouveau accueil, c'est vraiment dommage. Ensuite, il y a une nouvelle boutique, il y a la Scarab Cobalt. Ensuite, on a la nouvelle explosion de but qu'ils ont mis sur jeu. Enfin, c'est déjà disponible sur Rocket League et c'est là sur Rocket League Mobile. 3200, Supernova en rose, d'accord. Ensuite, on a l'objet mystère. Tiens, on va en ouvrir un pour voir si on va avoir un petit duel de dragon, par exemple. Casquette de camionneur, ok, on n'aurait pas dû ouvrir au final. Ensuite, on a un châssis, Tsunami Beam, ok, Géométrie X. Ensuite, on a vis et crâne. Ok, la nouvelle boutique, bon, elle est vraiment pas ouf. Boutique, les défis. Qu'est-ce qu'on a en défi saisonnier? Terminer 5 parties en ligne, ok. Le stage 2, déblocage des défis dans 26 jours. Ouais, ok, dans 63 jours, c'est la nouvelle saison, au cas où. Ensuite on a rien de nouveau je pense. Ok, bah il reste plus que le Rocket Pass et je crois qu'il est bel et bien buggé. Donc on a les récompenses également, je crois qu'on avait eu des emotes. Bah je sais, ah ça doit être là. Normalement on a des... Voilà, alors on a la première emote, bah on va mettre celle en bronze. Ok, bon on va aller voir ce qu'elle donne. Ah, faut que je pousse des trucs, on va pousser ça. Hop, on va enlever nos problèmes. Bon, on fait ça au pif. Ensuite, on met le or, platine. Et pour finir, le diamant. Ouais, on a fini diamant, mais on a joué que le premier mois de la sortie. Ensuite, on a les nouveaux titres. Alors, on a ça, comme je vous ai dit, je sais pas ce que c'est. Ensuite, on a diamant. Saison 1 diamant, oh c'est stylé, c'est un peu animé. Saison 1, oups, ouais c'est le basket. Oh j'ai fini gold, ça c'est vraiment dommage. Et puis c'est tout ce qu'on a dans les, c'est tout ce qu'on a dans les récompenses. C'est dommage qu'il n'y a pas eu une petite animation pour me les donner. Et donc je viens de réfléchir, en fait j'étais diamant 2. Et du coup là je suis diamant 1, ça m'a reculé bah, de 1, de classement. Donc on va mettre... le petit titre diamant normal.
Et ensuite, j'ai vu le Rocket Pass est là. Donc, on va aller le découvrir. Et la voiture, c'est Aftershock. Ok, châssis exotique. Ensuite, on a les petits. Excusez-moi, c'est un truc RL Trading Post. Ensuite, on a les lunettes. Elles sont vraiment incroyables sur Rocket League. Moi, je les adore. Je les ai en blanc titane et tout. Là, elles y sont. C'est cool. Ensuite, Yonix, ça peut être intéressant en blanc titane. On a des petits trous crépuscules. Ok, un bronze. Ok, on peut avoir tout ça. On peut avoir tout ça dans le truc en bronze. D'accord. Bon, il n'y a rien de foufou. À part le Yonix, là, si on l'a en blanc titane, ça peut être cool. Ensuite, zèbre. Des petits trous. Breakout. Voilà. Sideswiper. Ok, 400 SP. Bronze, bah c'est encore pareil, je vais arrêter de cliquer dessus. Ensuite, encore des bronzes, crépuscule. Ouais, il y a moyen de faire un beau preset avec. Là, c'est dans le argent. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir de plus? On peut avoir de l'exotique. On peut avoir Kana, c'est sur l'octane, j'imagine. Voilà. Ensuite, Breakout, c'est quoi ça? C'est une accélération de turbo. Ok, des roues exotiques. Bon, elles sont pas ouf du tout. Et oui, les gars, aussi, on peut avoir duel de dragon. J'ai hâte de le voir. Hop. Nul, 500 SP, turbo importé, j'ai encore appuyé sur les cadeaux, la roue exotique, ok, qu'on peut avoir, bah finalement on l'a dans le Rocket Pass, et j'ai appuyé n'importe où, c'est pas évident avec sur mobile, ensuite 500 SP, hop, la breakout S, ok, onde de choc sur la breakout, Kana universel, ah c'est peut-être sur toutes les voitures. Ensuite, on a 1000 SP, ça c'est pas mal. Ensuite, on a les gold. Ok, est-ce qu'on peut avoir les marchés noirs? Ah non, c'est la breakout. Bah, normalement, il y a le duel de dragon qui va arriver. Bah, il sera sûrement dans la boutique. Ah non, il est juste là. Ok, ça va être incroyable. Ça va être incroyable. Il est là. Gold, ok. Bon, ça on a déjà vu. Supernova. Du coup, c'est une explosion de but, marché noir. D'accord. C'est dans la boutique, mais ça lit aussi ici. Duel de dragon. Attendez, ça a bugué. On va le regarder une nouvelle fois. Wow, ça va être vraiment stylé de l'avoir. Va falloir passer 49 niveaux. Et 20XX, c'est sur toutes les voitures. Je crois que c'est ça, Universal, du coup. Mais le duel de dragon, il est vraiment incroyable. Ok, et après on aura les cadeaux de pro, je pense, comme dans le dernier Rocket Pass. Ensuite, on va pouvoir changer d'arène. J'ai regardé quand j'ai cut le rec. On appuie sur SC, je sais pas quoi. Et regardez, on a le truc du volleyball. Donc on va voir, là on est sur le tactile, donc ça va être vraiment pourri. Et ça lag, hein, vous connaissez la capacité de mon téléphone. Donc ça va être un peu comme ça. Du coup les gars, il va y avoir une vidéo. J'ai plus de voiture. Ah si, on peut être des deux côtés. Par contre le mode il va être incroyable. On peut aller des deux côtés, j'ai bien l'impression. Faudra pas que la balle elle touche par terre. Ok, bah ça va vraiment être fun. Du coup il y aura une vidéo ce soir sur ce mode, hein, évidemment. Pourquoi? Attends, pourquoi j'ai eu un rebond? On est d'accord, il y a eu un rebond. Ok, bah je comprends pas. Bon, en tout cas, il a l'air vraiment fun le mode. On va bien découvrir ça ce soir. Attends. Ah, en fait, il y a une rampe ici. Ok, on peut passer dans le filet comme ça. Ok, mais là, ça fait une petite bosse. Bah, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui vont se la prendre la bosse. Regardez, si je fais juste avancer, je tombe. On n'a pas regardé les stickers. Ça, là, on va regarder ça tout de suite, saison 1. Ah, en fait, ouais. Ah, je m'attendais à un truc de ouf. Saison 1 gold. Saison 1 platine. Saison 1 diamant. Ouais. Ok. C'est pas ouf. C'est pas ouf, c'est pas ouf. Mais c'est déjà mieux que rien. Donc voilà, les gars. Je pense qu'on va s'arrêter là. Hein. Dites-moi ce que vous pensez de cette saison 2. Bah, moi, je la trouve cool. En vrai, c'est cool. C'est pas ouf. Juste, peut-être le volleyball, ça va être incroyable. Mais je ne pense pas non plus. Mais ils auraient pu mettre un nouvel accueil, genre des trucs un peu sur le thème de la saison 2. Et puis moi, je vais vous laisser avec la bande-annonce de cette saison 2. Alors pensez à mettre le petit like, à vous abonner pour soutenir. On a découvert toute la nouvelle saison 2, je pense. Ouais, on a vraiment tout vu.
Donc voilà, pensez à mettre le petit like, à vous abonner et à mettre le code créateur. Ah d'accord, le code créateur qui met tout le monde d'accord, pensez à rejoindre le Discord. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et dites-moi ce que vous préférez dans ces nouveautés de la saison 2. Allez, à très bientôt.